Bah, je peux pas faire grand-chose une fois que la camionnette a démarré. Il faut qu'on réfléchisse bien, y avait-il une autre possibilité avant? Ouais non, c'était un peu foiré, hein. C'est l'endroit que l'inspecteur en costume blanc a appelé ce soir. C'est le parking du parc situé à l'est de la mer. Ah, c'est le parking du parc! Situé à l'est de la ville. Ça fait si longtemps. Vous connaissez ce parc? Oui, je venais très souvent y jouer quand j'étais petite. Et puis un jour, je me suis juré de ne plus remettre les pieds dans ce parc. Un souvenir bien sombre semble être enfoui. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez! Ce n'est pas la peine de me sortir que les fantômes n'ont pas de pieds. C'est juste une manière de parler. Mais vous me prenez pour un pinailleur ou quoi? Enfin, peu importe, allons-y. Ok, c'est parti. Je suis pas obligé de me parler de ça maintenant. Là, j'avoue, je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. À mon avis, il faut rester là. Ta merde, bah oui, j'ai pas. Parce que si je me mets dans les lunettes, je reste à l'arrière, même si je mets les lunettes à l'avant. Si je me mets dans le siège, bah ça sert à rien. Parce que là, bon, le fait de bouger les lunettes, non, parce qu'en fait, quand il prend la voiture, il les remet en place. En fait, il faudrait que j'ouvre le coffre quand la voiture est en marche, je pense. Là, si je bouge le siège, il sort. Parce que c'est ce que j'avais fait. Ah ouais, mais ça sert à rien que je sois là-haut. Et ouais, les lunettes, elles sont trop loin. À mon avis, c'est ça, hein. Il faut que j'ouvre le coffre en fait. Mmh.
Oui, elle sauvera pas la fille. Ouais, mais... Ouais, j'ai pas pensé à éteindre le... Mais je vais essayer d'arriver au bout du camion. Parce que je pense que c'est ça l'idée, c'est que j'ouvre le coffre pendant qu'il roule. Ça, comme ça, il sera obligé de... s'arrêter, j'en sais rien. Tu vois, mais je suis trop loin. Hmm.
ça me choque pas, mais... Voilà. Attends, c'était elle qui téléphonait? Détective Ring, c'est Memory. Ce n'est pas l'heure de ton rapport. Oh, c'est une détective. Écoute-moi, il y a un couple louche dans le bar en haut. Je vais leur mettre une coccinelle. Faut que je l'empêche de la mettre, la coccinelle. Une coccinelle, tu veux dire un micro? Attention, l'inspecteur Cabanella sera furieux si tu te fais pincer. Mais ils sont louches, ils n'arrêtent pas de parler à voix basse. On doit savoir ce qu'ils se disent. Tu peux capter le signal depuis ta camionnette. Tu veux bien écouter cette conversation pour moi? D'accord, je sais bien que ça ne sert à rien d'essayer de t'arrêter quand tu as une idée en tête. Merci, à bientôt alors. Attends. Tu n'auras pas vu une cliente arriver, une jeune femme rousse avec des bottes rouges. Ah ouais, une jeune fille louche et très nerveuse. Elle est là. Louche? Bah oui, à peine assise, elle a commandé 3 verres d'eau à la suite. En plus, elle a renversé le deuxième sur la table. Compris, garde un œil sur elle si tu peux. Pas de problème. Wouah, cette serveuse, c'est une taupe. Elle semble penser que vous êtes plutôt louche. Oui, désolé. J'avais vraiment soif alors, vous savez. Non, je ne sais pas. Bref, vous avez entendu ce qu'elle a dit au sujet du micro? On doit s'occuper de ce mouchard. Donc, on reste ici ou on suit la serveuse? Je crois que le moment est venu de prendre une décision. À ton avis. Regardez où on est. Dans la salle des machines du buffet poulet? Oui, les gens normaux appellent ça la cuisine. J'espère qu'on trouvera ici un moyen d'empêcher cet accident. Non, je suis quasiment sûre, vous savez ce qu'on y est. Il n'y a pas de poulet rôti sans feu. Maintenant que vous en parlez, c'est vrai que c'est plutôt un fumé ici. Ok. Actionner cet interrupteur, il ne bouge pas. Oui, ce n'est pas étonnant. Il y a de la graisse partout ici. Il doit être coincé. Oui, c'est vrai que ça colle beaucoup. Mais si l'interrupteur était déjà plus levé, je parie que je pourrais le baisser. Non, j'avoue, j'ai faim. Lui cuit des poulets en entier à la poêle.
Ok. Ah, mais j'ai compris. Normalement. Bouteille de vin dans cette toque. Voilà, comme ça elle donnera pas le bon. Mais c'est rouge, c'est du vin, m'en fous. Non, je sais pas, ouais, c'est un peu rouge quand même. Hein. Mais oui, c'est vrai. Le mouchard est toujours sur la table, on a réussi. Lélélé, mon poulet. Jamais tu n'es les mon. Ah, du coup, il l'entend chanter! J'en ai pris une bouchée, mon cœur s'est emballé. Je me consomme d'amour en te consommant, la la la. Bien, je crois que vous avez évité de finir écrasé sous un horrible poulet géant. Oui, mais la voix de cette nuit terrible pèse toujours sur moi. Je vous ai tué. Ça a dû être un enchaînement de circonstances compliquées qui vous a obligé à le faire. C'est jamais bien de tuer une personne, quelle que soit la circonstance. Eh, c'est moi qui aurais dû sortir sa rêve très très vite, enfin. Vous étiez sur une affaire, j'étais censé vous donner des informations. Le moment de m'en parler. Parlez-moi de l'affaire que vous menez. Oui, je suis prêt. Retournons dans le nouveau présent. D'accord. De
retour dans ce nouveau présent, le fumet de poulet flotte dans l'air. Cependant, je pense encore à Lynn. Je me demande si elle attend toujours qu'on lui serve son poulet. J'ai décidé d'aller la voir, et de lui poser les questions qui me hantent. Hey ! Let's go ! Comment je fais ? L'accident a été complètement effacé. Une fois de plus, j'ai sauvé cette jeune détective. J'ai sauvé Lynn, la criminelle qui m'a tuée. Une question me taraude cependant. Pourquoi m'a-t-elle tiré dessus? Je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai trouvé la réponse. Ah, du coup, il est là! Pour l'instant, Lynn ne pense qu'à manger. Un poulet bien doré est placé devant elle. Elle ne s'arrêtera que lorsqu'elle l'aura dévoré. Et j'ai faim. Moi aussi, je veux du poulet. Je n'avais pas vu que vous étiez là, détective Ring. Tiens, vous êtes venu me voir. C'est trop gentil. Bonjour, Mamrie. Ne vous occupez pas de nous. Vous êtes comme si on n'était pas là. Pourquoi vous ne goûtez pas notre poulet puisque vous êtes là? Non, merci. Regardez, Lynn, manger est déjà suffisant. Alors, ça a donné quoi avec la coccinelle? Ah oui, le micro est bien. Voyons voir. J'ai trouvé que le monsieur qui chantait avait une belle voix. Désolé, mais nous discutons d'un sujet important. Vous pouvez nous laisser. Non, restez ici. Je suis arrivée à un moment critique de la dégustation de ce poulet. J'aurais peut-être besoin d'un verre d'eau si j'avale de travers. Lynn, vous n'avez pas besoin de risquer votre vie pour finir ce poulet. Il a un peu raison. C'est pas grave. Je vais en profiter pour me déplacer puisque j'en ai l'occasion. C'est bizarre. Ah oui, il est mort et je peux pas... J'ai beau avoir sauvé ce détective, il n'a pas de noyau. Contrairement à Lynn, ou ce vaillant petit chien, Missile. Je croyais que ceux que je sauvais avaient un noyau en revenant à la vie. Je pense que j'ai encore des trucs à apprendre sur ces pouvoirs des morts. Bien, je suis en retard. J'ai du travail, moi. Oui, il avait la vaisselle, posé des micros, pardon. Un jour, je vous ferai avaler ce micro, détective. Bizarre, cette fille. Je suis bien d'accord. Moi aussi. Écoutez, Lynn. Vous m'avez donné votre version et je comprends. Mais il y a un avis de recherche contre vous. Est-ce que vous pourriez pas vous dépêcher de partir, vous savez, discrètement? Non, je ne peux pas. J'ai rendez-vous, ici. Rendez-vous? Ah oui, c'est vrai. La petite demoiselle, Camilla. Pourquoi avez-vous rendez-vous avec quelqu'un ici? La section d'enquête spéciale surveille ce restaurant. C'est quand même pas une coïncidence. Bah si, c'est une coïncidence. Dites-moi, Ali. C'est vrai ce qu'on dit? Vous avez repris l'enquête sur le détective.
yacht. Inspecteur Cavanella s'inquiète vraiment pour vous. Je comprends ce que vous pouvez ressentir, mais ne faites pas de bêtises. Putain, le poulet de l'infini. J'en veux un comme ça, moi. Régénère, incroyable. Alors, il est bon ce poulet que vous avez attendu si longtemps. Il est super. Mais vous savez, avec le détective Rin, j'ai assis en face de moi. Il est encore mort il y a quelques minutes. Ça me coupe un peu la bêtise. On dirait pas. Mais moi j'ai... S'il est gentil, il a dit qu'il comprend ma situation. Il va me laisser filer, au moins pour ce soir. En parlant du détective Ridge, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il n'a pas de noyau. Ah bon? Je pensais qu'un noyau apparaissait à chaque fois que je sauvais quelqu'un. J'ai une question. Quand vous avez pris possession de son cadavre, il était inconscient, non? Inconscient, oui, c'est vrai. Tout comme vous, vous étiez inconscient la première fois que je vous ai sauvé. Et après ça, vous n'aviez pas de noyau non plus. Donc si quelqu'un est inconscient lorsque vous le sauvez, aucun noyau n'apparaît. Je suppose que ça marche comme ça. Seems legit. Vous devez avoir raison, dans ce cas, je vous laisse vous occuper de Ridge. J'ai encore plein de questions à vous poser. Oui, je m'en doutais. Je vous écoute. Entre vous et le prisonnier D99, le détective Yout. Il a l'air d'être bien plus qu'un simple collègue. Oui, j'imagine que vous avez le droit de savoir. C'est son père. Ah non, et mon héros. Le détective Yout est mon héros. Votre héros, c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup. C'est une histoire de héros comme on n'en fait plus. Elle a eu lieu il y a 10 ans. Calme-toi, lâche cette arme. Recule, je lâche. Je la fais ça! Ce jour-là, il y a 10 ans, je jouais dans mon parc préféré. Tout à coup, quelqu'un est arrivé derrière moi et m'a pris le bras. J'avais si peur, je croyais que j'allais mourir. Et que s'est-il passé ensuite? Il est arrivé, le détective Yolt. J'ai entendu un bruit très fort, je croyais que c'était le bruit d'un pistolet. Je me suis évanouie. Quand j'ai repris mes esprits... C'est fini maintenant, tu n'as rien. Vous m'avez sauvé, monsieur. J'ai juste fait mon travail. Ce sont les dieux qui t'ont sauvé. C'est quoi votre travail, monsieur? Je suis policier. C'est donc pour ça que vous êtes devenue détective. Oui, il représentait tout ce qu'un détective doit être. Mais un détective idéal ne tuerait pas sa femme. Exactement. Et c'est pour ça que je veux prouver qu'il ne l'a pas tuée. Le détective Ridge appartient à la section d'enquête spéciale. Il a dit qu'une transaction importante allait être conclue dans son restaurant ce soir. Une transaction qui pourrait avoir des conséquences sur le futur de notre pays. Ce n'est pourtant pas simple d'influencer un pays. Mais c'est ce qu'il a dit. Toujours est-il que ce couple assis à la table en haut... Il paraît que ce sont des étrangers. Ils attendent l'arrivée du client pour conclure leur affaire. Ces deux-là, c'est un couple vraiment bizarre. Ce client qu'ils attendent, c'est moi? C'est plutôt dur à croire, non? Il n'y a qu'une personne qui connaisse les dessous de cette affaire. C'est... Cannabella! Cabanella. Monsieur le joli danseur en costume blanc. Il paraît qu'il a ces deux-là depuis très longtemps. J'ai jamais vu travailler si dur sur une enquête auparavant. Inspecteur Cabanella. Apparemment, vous avez l'air d'être sa chouchoute. Sa chouchoute, il y a une raison pour ça. Ah, vraiment ?
gens qui partent manger, quoi. Inspecteur Cabanella et le détective Yo étaient très, très bons amis. Oui, je me souviens avoir entendu le gardien de prison en parler. Ils sont entrés dans la division criminelle le même jour. Ils sont très différents, mais il y a toujours une sorte de compétition amicale entre eux. Le détective Yo attache une grande importance à l'inspection détaillée de la scène de crime. Mais allez tout souffler. Quant à l'inspecteur Cabanella, je pense qu'il a un véritable don pour l'enquête. Toujours est-il que ces deux-là dirigeaient le service des détectives à l'époque. Mais l'inspecteur Cabanella est différent maintenant. Il a changé. Changé? Oui, depuis l'incident du détective Yoult. Maintenant, il se détache du travail sur le terrain. Il n'a plus qu'une idée, grimper les échelons de la hiérarchie. Je suppose que c'est comme ça qu'il est arrivé à la tête de la section d'enquête spéciale. L'inspecteur Cabanella m'a pris sous son aile. Parce que vous étiez la petite fille que son ami avait sauvée, c'est ça? Il s'est vraiment occupé de moi, il m'a aidé à étudier pour préparer l'examen de détective. Il a même... Non mais, sérieux? Il a même trafiqué les notes de mon examen. Ça va plutôt loin que de s'occuper d'eau. Donc en fait, elle est super nulle, ça a triché. Putain, c'est... Ah, c'est pire que Fillon, quoi. Incroyable. Inspecteur Cabanella, je me demande quel rôle il joue dans les événements de ce soir. C'est vrai que Camilla en met du temps. Elle aurait dû arriver depuis longtemps, ça commence à m'inquiéter. Vous êtes comme deux sœurs ou je me trompe, c'est que c'est ce que Camilla a dit. Oui, c'est vrai. On dirait que ça ne vaut même pas l'appétit. Pour une fille, plus la situation est tendue, plus elle doit manger. Eh bah putain! À Camilla, je dois m'en assurer. À Camilla, et à cette boîte à musique aussi. La boîte à musique? Ah oui, cette boîte en bois. Ah bah, ça explique qu'elle crève tout le temps. Hein. Cette boîte est un cadeau du détective Yoult. Du détective Yoult. Il me l'a donné il y a 5 ans. Je l'ai reçu 3 jours après le meurtre. Il a dû l'envoyer juste avant son arrestation. Un jour, une fois l'affaire terminée et réglée, je veux que tu donnes ça à une certaine personne. C'est ce qu'il avait dit. Qui est-il à l'intérieur? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est dommage. Si c'est elle, je vous ai vraiment assassiné. Pourquoi vous me demandez ça comme ça? Je ne me souviens de rien. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Maintenant, je comprends ce que vous pouvez ressentir. Comme ça doit être difficile d'avoir perdu la mémoire, de ne plus avoir de passé. En même temps, qui sait? Ce serait peut-être encore plus dur de connaître la vérité. Ouais, je pense. J'ai plutôt tendance à croire qu'il y a toujours de l'espoir. C'était super bon. J'ai du poulet sur la figure, vous me regardez bizarrement. Je parie que vous êtes impressionné par la manière dont j'ai réglé le sort de ce poulet. Dites-moi une chose. Cette enquête dont vous vous occupez, c'est celle du détective Yoult. Et si c'était le cas? Je dois vous dire, ce serait trop cruel sinon. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Ah, c'est ça l'idée de... Oui, du... Je suis désolée, Eileen, c'est pour ce soir. Le détective Yoult, vous savez, c'est ce soir. Son exécution. Mais s'il reste encore un peu de temps, je me suis renseignée et j'ai appris que dans ce pays, toutes les exécutions avaient lieu à l'aube. C'est peut-être comme ça d'habitude, mais pas cette fois, je suis désolée. Mais l'exécution est prévue pour 11h ce soir. Comment? Ça va avoir lieu dans pas longtemps. Il
faut empêcher ça. C'est impossible, il est trop tard. À moins que le ministre de la Justice ne signe un sursis. Ah. Je vais aller le voir, en ce cas. Oui, j'imagine que le ministre de la Justice, c'est le gars déprimé, là, le mari de l'écrivaine. Quelle question, le ministre de la Justice? Ne soyez pas des ridicules. Vous n'avez plus le temps. J'y vais. Cécile. Oui. Allez à la prison, empêchez l'exécution. Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Kevin, je dois y aller. Ok, je vous laisse partir pour cette fois. Je leur dirai que je n'ai rien vu parce que je mangeais du poulet. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Est-ce que vous pourriez chercher Camilla? Elle était censée me retrouver ici. Non, votre petite Camilla. Entendu, je vais la chercher. Ok, vous savez ce que vous devez faire, Cécile. Sauvez le détective Young. Julie est sur le point de se terminer ce soir. Coïncidence, où y a-t-il autre chose derrière tout ça? Le détective Yout doit être exécuté ce soir. Je ne sais pas si ce destin est juste ou non. J'ai toutefois décidé d'aller à cette prison.